Madame de Beauvoir, vous savez, le Canada est très loin de Paris. Et au Canada, quand on parle de l'existentialisme, généralement, la première chose qui nous vient à l'esprit, et on voit toute cette jeunesse bruyante, tapageuse, qui aimait beaucoup le jazz dans les années de l'immédiate après-guerre, et qui se réclamait, qui fréquentait Saint-Germain-des-Prés, qui se réclamait de l'existentialisme. Alors pour vous, est-ce que cette jeunesse présentait un visage réel de l'être existentialiste, de l'homme existentialiste? Je crois qu'il n'y avait à peu près aucun rapport entre la philosophie existentialiste, telle que l'on définit, que ce soit Gabriel Marcel qui a défini un existentialisme chrétien ou Sartre qui a défini un existentialisme athée, et cette jeunesse, sinon une question de topographie. Je veux dire que Jean-Paul Sartre fréquentait les cafés de Saint-Germain-des-Prés pour y travailler, et il habitait d'ailleurs, il habite encore sur la place Saint-Germain-des-Prés, et toute cette jeunesse... Eh bien, danser dans des caves de Saint-Germain-des-Prés, je vois très peu d'autres rapports entre les deux espèces d'existentialisme. C'était tout à fait accidentel, quoi, qu'ils se soient rencontrés. C'est tout à fait accidentel. Ceci dit, nous avions, Sartre et moi, des amis plus jeunes que nous parmi cette jeunesse, tels que Greco, Anne-Marie Casalis ou d'autres. Mais enfin, les noms de muses de l'existentialisme qu'on a donnés justement à Greco, Anne-Marie Casalis, ne signifiaient pas grand-chose. Vous demandez la définition de l'homme dans l'optique de l'existentialisme, ce serait vous demander, je crois, de résumer beaucoup de grands livres philosophiques. Oui, je crois que c'est à peu près impossible. Mais il y a peut-être moyen, je crois, de vaincre la difficulté en abordant le problème de l'existence de l'homme par différents aspects d'ordre moins général, comme par exemple, quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à l'homme? L'homme lui-même. Nous pensons, et ça c'est une... un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et la fin même de toutes ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme, et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre éthique, enfin, ou même notre morale. Et alors il est à la fois sa cause et sa fin. Peut-être pas sa cause, mais certainement sa fin. Mettons sa raison d'être. Alors sa cause, quelle serait-elle? Sa cause, ça c'est une question métaphysique que je ne suis pas artificier à résoudre. L'homme est là, et nous ne posons pas les questions métaphysiques, pas plus que bien les philosophes depuis Kant. Ils ont décidé de ne pas la poser. Nous sommes là, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir que faire de nous. Maintenant, dans la conception du monde de cet homme existentialiste, Dieu n'est pas présent. Pas dans l'existentialisme sartrien, dans l'existentialisme de M. Gabriel Marcel, oui. Mais dans l'existentialisme de Sartre, tel qu'il est défini dans L'être et le néant, tel qu'il va l'être dans le prochain ouvrage que Sartre va donner incessamment chez Gallimard, qui s'appelle Critique de la raison dialectique, Dieu n'est pas présent. Il n'y a pas de Dieu. Nous sommes des athées, très exactement. Alors qu'est-ce qui fait que l'homme, quand même, accepte de vivre et accepte de poser des gestes? Qu'est-ce qui dirige ces gestes? Qu'est-ce qui dirige ces gestes? Le souci précisément des autres hommes, en grande partie. Le souci aussi de son propre bonheur, les deux étant d'ailleurs liés d'une manière à peu près inextricable, parce que je crois que chacun est lié à tous et personne ne peut se réaliser sinon à travers, avec les autres. Et rien n'est fait de valable pour et par les autres, sinon à partir de quelque chose qu'on a également profondément ancré en soi-même. Les mots de bien et de mal, qu'est-ce qu'ils signifient pour vous? Je viens de vous dire que nous trouvons bien tout ce qui, d'une certaine façon, sert l'homme, sert à d'abord ses besoins, son bonheur, sa liberté, le développement de sa vie, et nous trouvons mal tout ce qui entrave cela. Vous parlez beaucoup d'engagement et vous vous engagez vous-même. Politiquement, vous vous êtes engagé. Oui. Vous êtes engagé. Oui. Et je ne crois pas que vous vous désengagerez bientôt. Non, certainement pas. Vous-même, à certaines occasions, vous montez sur la tribune et vous... Très rarement. Mais enfin, c'est arrivé au moment du référendum, oui, parce que là, j'avais des opinions précises et que j'ai fait de mon mieux pour les communiquer. Mais est-ce que vous trouvez que dans l'engagement politique, il n'y a pas un risque de servir une propagande? Qu'est-ce que vous appelez une propagande? Une propagande est quelque chose qui sert une idéologie, disons. C'est une bonne idéologie, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de la propagande? Mais idéologie à laquelle j'adhère. Mais qu'est-ce qui vous prouve justement que cette idéologie est plus vraie que l'autre à côté? Il s'agit là d'un choix. Et d'un choix qui est défini par tout l'ensemble, précisément, de ma conception du monde. Alors, il y a toute une conception du monde qui est mûrie, réfléchie, élaborée, soutenue à la fois par l'expérience, par des lectures, par des réflexions, et qui m'amène à choisir une idéologie plutôt qu'une autre. À ce moment-là,
Je trouve qu'il est bon de s'engager et de défendre enfin, ses idées, banalement. Au point de vue idéologie politique, quelle est votre situation actuellement? Il y a un fait qui domine toute la politique française, c'est la guerre d'Algérie. Et je suis résolument contre la guerre d'Algérie et pour l'indépendance des Algériens. Et ça, c'est un engagement profond et fondamental et qui rejoint tous mes engagements par rapport, disons en gros, à l'oppression. Je suis contre l'oppression sous toutes ses formes, et particulièrement sous cette forme d'ailleurs complètement périmée, même d'un point de vue tout simplement réaliste, qui est le colonialisme. Est-ce que vous croyez qu'actuellement il y a une idéologie politique ou une politique en action qui est appliquée actuellement qui mérite justement l'engagement total? À l'heure qu'il est en France, l'engagement que nous pouvons avoir est un engagement d'opposition, puisque précisément ce qui a triomphé, ce sont des idées, et quand je dis nous, je pense à tout le groupe Ensemble auquel je me rallie, dont je fais partie, qui représente notre revue L'État moderne, puisque nous sommes contre le régime qui existe en ce moment et contre sa politique. Notre politique est d'abord une politique d'opposition. Parce que vous le concevez comme étant un régime d'oppression? Oui, bien sûr. Comme était déjà d'ailleurs le régime précédent, seulement celui-ci avec quelque chose de plus net, dans le, enfin c'est plus systématiquement autoritaire, disons, et encore plus antidémocratique que la fausse démocratie que nous avions auparavant. Si vous viviez en Russie actuellement, est-ce que vous vous sentiriez obligé également de protester contre certaines oppressions? Je ne sais pas du tout ce qui m'arriverait si je vivais en Russie. C'est tellement difficile de se mettre à la place des autres. Je ne sais pas dans quelle est la mesure en Russie de l'oppression ou non. En tout cas, je penserais, s'il y avait lieu, oui, que mon devoir intellectuel est toujours de contester tout ce que je trouve, qui opprime l'homme, certainement. Et cette situation de quelqu'un qui proteste, qui tient à toujours protester contre l'oppression, quand il voit l'oppression quelque part qu'il proteste, est-ce que vous croyez qu'un jour... ça sera éliminé, c'est-à-dire, est-ce que vous croyez qu'un jour, il y aura moyen de trouver un système social qui remplira toutes les conditions? Ça, nous voguons en plein dans les utopies. On ne peut absolument pas donner de réponse précise à cela. Je pense que pour que ça soit même envisagé, une abolition radicale de l'oppression, il faudrait d'abord que la planète change quant aux ressources qu'elle offre aux hommes, parce que, comme vous le savez, le grand malheur qu'il y a aujourd'hui et depuis la naissance de l'humanité, du moins depuis qu'on la connaît, c'est la rareté, c'est qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, tout bêtement, c'est qu'il y a des millions d'hommes qui meurent de faim, encore en Chine, malgré l'effort de la Chine, et énormément encore aux Indes et dans toute l'Asie. Tant qu'il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde, forcément, il y aura un état de lutte des hommes entre eux, et il y aura forcément un état d'oppression. Alors, si vous me demandez si un jour il y aura l'abondance, je suis absolument incapable de vous répondre. Ça dépend des progrès aussi bien du développement de l'énergie atomique que du rythme de la repopulation par rapport à la production. Enfin, mille questions qui nous entraînent dans de la science-fiction à ce moment-là. Dans Les Mandarins, Madame de Beauvoir, il y a une scène, je crois, très importante du roman. Alors que Dubreuil et l'autre, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Perron, luttent justement, sont engagés dans le sens d'une certaine idéologie politique. Ils se rendent compte un jour que dans le pays qui représente en quelque sorte le symbole, enfin qui applique cette idéologie, des choses se passent qui ne devraient pas se passer d'après les yeux, comme l'existence des camps de concentration. Et à ce moment-là, il y en a un qui veut le dire au lecteur, à ses lecteurs, oui. Et l'autre qui ne le veut pas. Est-ce que oui. Vous croyez qu'il était juste de ne pas en avertir le public? Je n'ai pas exactement pris parti parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que la morale n'est pas une affaire de principes et de valeurs éternelles, mais d'abord, avant tout, une question concrète d'efficacité. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de servir le bien, le bonheur, la liberté des hommes. Alors, le vrai problème, c'était de savoir quelle était l'efficacité d'une telle révélation. Pouvait-elle servir à diminuer, par exemple, l'importance de ces camps? Pouvait-elle accélérer leur liquidation? Ça, c'est un point de vue. Mais d'autre part, est-ce qu'on ne risquait pas, en les révélant, de décourager alors toute une classe de la population française qui prenait appui quand même sur l'URSS et sur le Parti communiste pour lutter contre l'oppression? C'était ces choses qu'il fallait, ces facteurs qu'il fallait balancer avant de prendre une décision. Alors les deux points de vue pouvaient se défendre, quoi? À mon avis, comme je l'ai posé dans Les Mandarins, les deux points de vue pouvaient se défendre. Ceci dit, pratiquement, la question s'est posée, un peu plus tard d'ailleurs, car les mandarins ne suivent pas du tout la réalité, comme on l'a dit. J'ai pris beaucoup de liberté avec l'histoire, hein, au contraire.
Lorsque la question s'est posée d'en parler ou de ne pas en parler, Sartre, dans l'état moderne, en a parlé. Il a parfaitement, il a été même, je crois, peut-être pas le premier, c'est le premier à l'avoir voulu le faire. Je crois que Rousset l'a pris de vitesse, mais ils étaient d'accord à ce moment-là, dans, je ne sais plus quoi, peut-être le Figaro littéraire. Toujours est-il que Sartre en a parlé des camps de concentration soviétiques et a donné les règlements tels qu'ils avaient été inscrits, enfin, sur l'internement administratif, presque avant tout le monde. Au point de vue engagement politique, Sartre et vous-même avez été, et êtes encore, je crois, très près du communisme. Nous sommes souvent près du communisme, souvent aussi assez loin. Ça dépend tout à fait de la tactique, de la politique du parti. Ça dépend à l'extérieur comme à l'intérieur d'une quantité de choses. Mais au point de vue philosophique, évidemment, l'existentialisme et le marxisme ne se rejoignent pas. Ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Et précisément, les derniers et les prochains ouvrages de Sartre sont un effort pour remontrer tout ce qu'il y a de conciliable entre les deux. Ils sont proches l'un de l'autre en ce sens que les deux sont des matérialismes, mais pas au sens où on prenait le mot au XVIIIe siècle, pas au sens, c'est-à-dire ça, Sartre s'est expliqué très très souvent à la dans des ouvrages intérieurs, en ce sens que nous pensons que ce qui prime d'abord avant tout dans le monde, c'est le besoin. Je vous le répète, le besoin et l'impuissance de la planète telle qu'elle est à assouvir ses besoins chez tous, sous leur forme la plus primitive. Vous dites que c'est en somme une recherche du bonheur, toujours, que l'acte de vivre. L'amour est un élément important dans le bonheur ou le malheur de l'homme et de la femme, je crois ça bien. Ça dépend sous quel ciel, parce que quand on n'a pas assez à manger, c'est d'abord la nourriture. Sûrement. Dans nos populations civilisées qui, en gros, mangent à leur faim, l'amour a beaucoup plus d'importance, certainement. Alors, dans notre contexte, vous avez dit que l'amour était le renoncement de toute possession, ce qui semble contredire... Quand est-ce que j'ai dit ça? Vous avez écrit ça, l'amour était le renoncement de toute possession. Peut-être. Je crois que c'est dans le deuxième sexe. Peut-être. Est-ce que vous acceptez ce... Je pense qu'aimer, ça n'est pas vouloir posséder, en effet. Je pense qu'aimer, c'est vouloir créer avec un autre être des liens qui ne sont pas des liens de possession, au sens où on possède, je ne sais pas moi, les vêtements qu'on porte ou ce qu'on mange. Mais la jalousie est quand même un fait. Ah oui. Est-ce que nous ne sommes pas tous jaloux un jour ou l'autre, même les héros de... Même vos propres héros sont jaloux. Alors, est-ce que la jalousie ne contredit pas un peu cette idée que vous avez de l'amour? Il y a tant de formes d'amour, il y a tant d'espèces de jalousie. Il y a des jalousies qui sont mesquines, il y a des jalousies qui sont très hautes, il y a toute espèce de jalousie. Il y en a qui sont possessives, il y en a qui sont encore tout à fait autre chose. Il y en a aussi souvent qui sont simplement des compensations parce qu'on sent plus ou moins qu'on est en train de rater quelque chose dans son existence. Alors à ce moment-là, on reporte tout sur l'amour et sur l'être aimé. En principe, je ne pense pas que la jalousie, dès qu'elle prend une forme un peu violente et donc morbide, soit un sentiment qui enrichisse beaucoup. Ceci dit, il y a une liaison très nette, en effet, de la jalousie à l'amour. Et quand on veut créer un rapport singulier, exceptionnel, personnel avec un être, ce rapport se trouve nié si évidemment cet être se lie avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Je ne suis pas contre la jalousie a priori, mais je ne pense pas que ce soit la forme la plus vraie et la plus haute de l'amour. Vous ne croyez pas en l'existence d'une nature féminine? Vous avez dit que tout être est d'abord humain avant d'être homme ou femme. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Je crois que l'homme dépend des conditions, de toute espèce de conditions, à la fois physiologiques, bien entendu, et à la fois de lieux, de temps, de civilisation, de techniques, etc., etc. Et vous vous révoltez dans le deuxième sexe contre la condition féminine actuelle? Je ne me révolte pas exactement. Je pense que... Oui, ce n'est même pas exactement une protestation. J'essaie surtout de la décrire. Parce que je pense qu'il est bon toujours de prendre conscience de ce qui est. Ceci dit, la protestation, ce serait une chose bien vaine, puisque ça n'est pas ni l'affaire des hommes ni celle des femmes, alors qu'il est de pouvoir en un coup de baguette magique la transformer. Ça aussi, la question de la femme est liée à toute la question du travail, de la main-d'œuvre et du chômage, par conséquent aussi des besoins, de la rareté, de la richesse, etc. Alors vous ne tenez pas seulement les hommes responsables de la condition actuelle de la femme? Ni les hommes ni les femmes, ni personne en particulier, mais plutôt tout l'ensemble du monde tel qu'il est. Parce que les femmes seraient amenées à travailler, ce qui est pour moi la véritable libération, s'il y avait du travail pour tout le monde, et il y aurait du travail pour tout le monde, si, encore une fois, il y avait moins de rareté, s'il y avait plus d'abondance. Quand Béatrix Beck dit que souhaite que les hommes aient du génie et que les femmes aient des enfants, quelle est votre réaction?
Avoue que J'aime j'avais choisi de ne beaucoup pas avoir Béatrice d'enfant. Beck, mais je vois pas pourquoi tous les hommes auraient du génie. Si c'était ça, alors presque toute l'humanité serait damnée, Alors parce vous. que d'ailleurs le mot de génie est un mot si vague, je comprends si mal ce qu'il veut dire. Et d'autre part que les femmes aient des enfants, il y a des moments où c'est important, mais réduire la femme à avoir des enfants, il n'y a guère que l'hitlérisme et le fascisme italien qui ont fait cela. En général, on admet que la femme est un être humain qui peut faire autre chose aussi que d'avoir des enfants. D'ailleurs, Béatrice Beck elle-même fait bien autre chose, puisqu'elle écrit, puisqu'elle fait des enquêtes, du journalisme, et puisqu'elle est précisément une femme, au contraire, qui se suffit à elle-même, qui a élevé elle-même sa fille, etc. Croyez-vous justement qu'une femme peut s'engager aussi intensément qu'un homme dans une œuvre de création artistique ou idéologique? Évidemment, Certainement. vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle, mais est-ce que vous croyez que d'une façon générale, c'est aussi facile pour une femme? C'est-à-dire, c'est aussi possible? Cela dépend. Je pense que si une femme a vraiment appelons ça une vocation, si vraiment elle a un désir d'écrire ou de sculpter, comme Germaine Richier qui vient de mourir, ou de peindre, elle le fera aussi bien qu'un homme. Le portrait que vous avez tracé de la condition féminine, évidemment, n'est pas tellement brillant, n'est pas tellement rose pour la femme. Non. Est-ce que vous-même, vous avez souffert d'être femme? Non. Jamais. C'est ce que j'explique dans mes mémoires. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup trompé si on a cru que le deuxième sexe, c'était un livre de revendication. À vrai dire, je ne m'étais même pas souciée de ce problème jusqu'au moment où, à travers les autres femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, dont j'ai vu l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait un malheur proprement féminin. Mais personnellement, non, parce que comme j'ai fait les études que j'ai voulu, comme je n'ai pas eu de difficulté à les faire, que j'ai jamais trouvé d'hostilité parmi mes camarades. Parce que quand même, des intellectuels de gauche, c'est ce qu'on peut trouver de plus ouvert et de plus libéral touchant cette relation entre hommes et femmes. J'en ai jamais souffert. Vous avez déjà dit que le principe du mariage était obscène. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je veux dire que si deux êtres restent rivés l'un à l'autre par des institutions et par des liens purement extérieurs, alors qu'il n'y a plus rien dans leur cœur et dans leur chair qui les rattache vraiment l'un à l'autre, on arrive à quelque chose qui me semble aussi répugnant que peut-être la prostitution. Mais est-ce qu'on a déjà trouvé mieux que le mariage quand même dans les relations entre hommes et femmes en vue de la procréation? Je crois qu'en tout cas, la notion de mariage est en train de grandement s'assouplir et que le mariage avec facilité de divorce, comme il se pratique à présent, mettons en Amérique, est un énorme progrès sur le mariage institutionnel et qui condamnait une femme à jamais à être l'épouse de cet homme-là et à n'être que cela pendant toute sa vie. Mais est-ce que la preuve n'a pas été faite que les enfants, justement, des couples divorcés étaient très malheureux, étaient souvent déséquilibrés, il y avait des troubles Ça émotifs? dépend. Il y a aussi des enfants de gens qui sont mariés, qui s'entendent mal, qui sont très malheureux et qui ont des troubles émotifs. Je pense que le rapport des enfants aux parents serait à revoir d'ailleurs d'une manière générale dans la société, parce que je pense que, en tout cas en France, je crois qu'il n'y en a pas de même, ni en URSS, ni en Amérique. Mais en France et dans tous les pays latins, les enfants vivent beaucoup trop dans les jupes de leur mère et beaucoup trop loin des autres enfants. Je crois qu'il est tout à fait souhaitable que les enfants vivent avec des enfants, qu'ils aient naturellement des rapports aux parents, mais là aussi que ce soit beaucoup plus du sentiment de la liberté qu'une institution. Est-ce que la chose a déjà été tentée quelque part? Eh bien, vous savez peut-être qu'en Israël, dans les kibboutz, il y a une organisation vraiment assez merveilleuse du point de vue des enfants. C'est-à-dire que les adultes sont entre eux et travaillent toute la journée. Les enfants sont entre eux toute la journée à travailler et à avoir des récréations. Et le soir, vers 5 heures, quand les adultes ont leur journée de travail finie, alors ils rencontrent leurs enfants et ils se donnent à eux complètement pendant 2 ou 3 heures. C'est-à-dire beaucoup plus que ne font des parents moyens qui vivent du matin au soir près de leurs enfants et en même temps très loin d'eux. Parce qu'alors à ce moment-là, ils leur parlent, ils jouent avec eux, etc., etc. Il y a des vrais rapports qui s'établissent entre eux. Je crois que ça, c'est une expérience qui est excellente. En tout cas, tous les gens qui y ont été dans les kibboutz, qui ont vu ça, quoiqu'ils n'approuvent pas tout dans les kibboutz, je crois que cette chose-là, presque toujours, ils l'approuvent. Dans les mémoires, dans vos mémoires, premier tome, qui Oui. s'appelle Les mémoires d'une jeune fille rangée, non sans humour d'ailleurs, je crois, le titre. Bon, un peu d'humour. Vous savez que le titre est emprunté en fait à un livre charmant de Tristan Bernard qui s'appelait Les mémoires d'un jeune homme rangé, qui est un roman. Alors je l'ai repris et transposé, en effet, pour indiquer enfin, le sens du livre. Dans ce livre, vous dites que vous avez décidé très tôt
le célibat et très tôt de ne pas avoir d'enfant. Non. Quelles sont les circonstances qui ont... Non, je ne dis pas cela. Non, non, c'est que vous n'avez pas tout à fait bien lu. Vous avez lu des critiques qui ne m'avaient pas très bien lu, puisqu'au contraire, quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais amoureuse d'un cousin assez lointain, et je pensais l'épouser, et comme c'était un cousin très bourgeois, il était bien évident que notre mariage se ferait d'une manière très familiale, et je pensais au contraire avoir des enfants, une famille, etc. Ah, ouais. Et c'est plus tard, lorsque ma vocation, ce que je peux appeler ma vocation intellectuelle, s'est précisée, qu'alors... Je n'ai plus vu la nécessité ni du mariage. Je n'ai pas vu la nécessité du mariage parce que je ne voyais pas la nécessité pour moi d'avoir des enfants. C'est plutôt ça. Mais pourtant, vous avez eu une éducation, comme vous le dites, je crois, très bourgeoise. Ce n'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie. Mais vous ne semblez pas avoir eu des mouvements de révolte quand même. Non. Quand vous... Je crois que ça a été plus profond. Je ne me suis pas révoltée au jour le jour, mais j'ai gardé un très grand dégoût par la suite des institutions bourgeoises. Mais à quel moment avez-vous pris conscience de ce dégoût, justement? Oh, c'est venu petit à petit. Ça a commencé très lentement. C'est pour ça que je crois que c'est profond. C'est venu en profondeur. Ça a commencé par une espèce de malaise. Je trouvais qu'il y avait une incohérence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'il y avait une énorme bêtise dans leur manière de vivre, qu'ils ne savaient pas vivre. Ça, j'ai commencé à penser ça vers 12, 13 ans, que les choses qui se font, il n'y avait pas de raison pour les faire, qu'on pouvait très bien faire qui ne se font pas. Petit à petit, sans révolte, il y a une espèce de bêtise qui m'a sauté aux yeux. Puis j'ai voulu m'en dégager. Et puis j'ai travaillé pour m'en dégager. Et puis une fois que j'ai été étudiante et que j'ai commencé à pouvoir faire une espèce de plan de ma vie, eh bien, j'ai essayé de m'écarter le plus possible de cette espèce de schéma tout fait, tout bâti. Je voulais inventer ma vie. Je pensais qu'on pouvait inventer et qu'on s'en tirerait beaucoup mieux qu'en répétant des routines éprouvées, mais justement très mal éprouvées. Maintenant, de quelle façon le problème de Dieu s'est-il posé à vous? Parce que vous dites qu'à l'âge de 15 ans, il y a eu une crise qui a... une fois pour toutes, décider. Là non plus, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une crise, c'est plutôt une espèce de prise de conscience. Je me suis aperçu un beau jour, à 14 ans, à 13 ans, je ne sais pas vous dire la date exacte, je me suis aperçu un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très, très ardente quand j'étais toute petite. Je croyais aux anges, au petit Jésus, etc. Puis après, j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie plus extérieure. Mais enfin, j'ai cru vraiment à Dieu. Mais petit à petit, j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'avait plus aucun rapport avec ce monde. Parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais ou comme les prêtres à qui je parlais. Il était différent. Il ne pouvait pas non plus s'intéresser à des vétilles. Il a fini par ne plus répondre à rien ni à personne. Et à ce moment-là, je me suis aperçue que bon, ben, il n'existait plus pour moi finalement. Il s'était évaporé. Et est-ce que, comme vous dites, c'était évaporé, mais est-ce que vous avez remis le problème en question plus tard? Plus tard, j'ai fait de la philosophie et tout ce que j'ai appris m'a, je ne pourrais même pas dire confirmé, mais tout ce que j'ai appris continue à être dans la ligne que la question, en somme toute, ne se posait pas. Si vous voulez, par exemple, j'ai lu Kant quand j'avais 18 ans et j'ai tout de suite pensé avec Kant qu'il fallait en effet refuser la métaphysique proprement dite ou l'ontologie et se poser le problème à partir du fait que nous existons sur Terre sans chercher à percer par-delà la chaîne des causes et des effets. Mais si je comprends bien, votre athéisme est d'abord venu par intuition chez vous. Bah, si vous voulez, je me suis aperçu que j'avais aucune raison de croire mais, et que les gens qui étaient autour de moi croyaient sans avoir des raisons non plus. C'est plutôt ça. Les uns croyaient sans avoir de raison de croire, et moi j'ai cessé de croire sans non plus avoir des raisons positives et établies de ne pas croire. Mais comment prouver que quelque chose n'existe pas? On ne peut jamais non plus en faire la preuve. C'est plutôt aux autres de faire la preuve du contraire, n'est-ce pas? Mais enfin, oui, est-ce que la Alors, preuve... Cette preuve, je ne l'ai jamais trouvée, ni dans ma raison, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Donc... La preuve de croire? Oui, la preuve d'un Dieu. Et la preuve du contraire, est-ce qu'elle existe? Enfin, bon, philosophiquement, oui, d'une certaine façon. Parce que, par exemple, dans l'être et le néant, Sartre, à mon avis, montre très bien que cette espèce de synthèse qu'on appelle Dieu, qui serait à la fois, enfin là, nous allons entrer dans de la philosophie, pour soi en soi, est irréalisable et même réellement impensable. Enfin, ceci dit, un croyant pourra toujours dire que, précisément, on croit parce que c'est absurde et parce qu'on ne comprend rien. Mais alors, à ce moment-là, ça me semble un recours un peu désespéré. Mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez des croyants? Oh, je ne pense rien de façon générale, j'ai des opinions très particulières sur les uns et les autres, car ils sont aussi divers que les non-croyants. Il y a des prêtres progressistes avec qui je m'entends parfaitement, et il y a au contraire des athées, mettons qu'ils sont précisément pour l'oppression, et avec qui je ne m'entends pas du tout. Et il y a des croyants qui simplement font de la religion, au contraire, alors à ce moment-là, une justification, mettons du capitalisme ou du colonialisme, avec qui je ne m'entends pas. Enfin, ça dépend. Vous savez que l'Église est très, très, très divisée, en particulier, même à l'intérieur de l'Église de France, il y a d'énormes différences.
Vous avez des prêtres qui se battent avec le FLN et vous en avez qui sont au contraire complètement pour les gros colons algériens. Est-ce que ça ne prouve pas que dans le christianisme, il y a là aussi une liberté comme dans votre monde existentialiste? Si, je crois tout à fait. Je crois que finalement, Dieu, c'est une espèce d'alibi qui n'en est pas un et que des quantités de gens, d'ailleurs, des quantités de croyants me l'ont dit, je ne dirais même pas avoué, qu'on est aussi perdu dans un monde où il y a un Dieu. Si vraiment on prend à cœur de savoir où est le bien et le mal et quelles sont ses volontés, que dans un monde où il n'y en a pas. Parce que de toute façon, qui va interpréter la volonté de Dieu, qui va interpréter la manière dont la transcendance se traduit dans notre monde ici-bas, c'est chacun dans sa propre conscience. Et à ce moment-là, chaque conscience se retrouve aussi solitaire que la mienne qui ne croit pas en Dieu. À moins de croire en la révélation, ce que vous ne croyez pas. Ah, mais même si on croit en la révélation, savoir si ce Dieu révélé, il souhaite qu'on continue à, je ne sais pas moi, à opprimer des Algériens et à faire mourir des gens de faim, et si c'est très bien, ou au contraire s'il trouve que c'est très mal, c'est à chacun de décider. Finalement, chacun interprète Dieu selon ses propres tendances. Vous avez déjà publié un premier tome de vos mémoires. Vous travaillez actuellement au deuxième, je crois. Oui, je travaille à une suite qui ne sera certainement pas de la même veine que le premier volume, mais enfin qui lui ressemblera quand même, du moins jusqu'à une certaine date. Jusqu'à la fin de la guerre, ce sera un récit qui suivra à peu près fidèlement les circonstances de ma vie. Je dis à peu près fidèlement parce que dans la première partie qui a été publiée, il s'agissait de mon enfance et de ma jeunesse, et je pouvais vraiment dire tout sur moi. Naturellement, quand on arrive à une vie d'adulte, on est obligé, par rapport à soi, par rapport aux autres aussi, à plus de discrétion. Il y aura donc certains chapitres que je n'aborderai pas, ou que j'aborderai très indirectement. J'en préviendrai d'ailleurs les lecteurs. Je dirai rien que la vérité, je ne dirai pas toutes les vérités, je veux surtout parler de mon rapport avec mon époque, essayer de décrire ce que c'était que d'être une jeune intellectuelle pendant l'avant-guerre. Ensuite, la secousse que ça a été pour les intellectuels de mon bord, pour les autres aussi d'ailleurs, mais enfin, je prends sous l'angle que je connais, que la guerre, que l'occupation, c'est toute cette évolution qui est à la fois d'ailleurs, on pourrait presque dire sentimentale autant qu'idéologique, que je veux retracer. Disons plutôt cette évolution vécue, globale, totale, en relation avec mon évolution d'écrivain. Avec la manière dont j'ai commencé à écrire certaines choses, certaines autres, mes échecs, mais ce que je peux appeler mes réussites, enfin, à la mesure où, par exemple, mes livres ont été édités, enfin, sans naturellement porter de jugement de valeur là-dessus. C'est tout ça que je voudrais raconter, ma formation comme être humain et comme écrivain au cours de l'avant-guerre et de la guerre. Pour l'instant, c'est à cela que je travaille. Sur la période d'après, ça me posera encore d'autres problèmes, naturellement. Et est-ce que, dans ce deuxième volume, vous allez vous rendre jusqu'à maintenant? Non, je viens de vous dire que ce volume auquel je travaille en ce moment, je l'envisage jusqu'en 44. Ah, jusqu'en 44. Mais jusqu'en 44, je sais à peu près ce que je fais. Après, je sais que je continuerai encore, que je veux parler de l'après-guerre proprement dite, en tout cas jusqu'à 50. Ensuite, ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas jusqu'à dans quelle mesure je ferai alors une mise au point sur ce que je suis aujourd'hui. Ça, ce ne sont plus des mémoires à ce moment-là, n'est-ce pas? Non. Peut-être qu'il peut être intéressant et que je peux trouver un moyen de faire un certain bilan de la manière dont je pense ma vie. Mais enfin, ça, c'est à élaborer, c'est pour beaucoup plus tard. Car ça va être un très long ouvrage, enfin long, quant au travail que ça va me demander. En somme, voilà déjà un an que je travaille dessus, depuis que j'ai fini le premier volume, et je compte au moins encore 3 ans. De quelle façon travaillez-vous à vos mémoires? Est-ce que vous écrivez vite? Est-ce que vous écrivez lentement? Est-ce que vous vous réécrivez souvent? Est-ce que... Je réécris très souvent. Ça dépend des ouvrages. J'écris beaucoup plus vite les essais et surtout les reportages que je n'écris les romans ou un ouvrage comme ces mémoires que je voudrais vraiment très exact et auquel je veux apporter beaucoup, beaucoup de soins. Là alors, enfin, puisque vous me demandez sur les mémoires, enfin, je vous dirais qu'en gros, j'ai fait d'abord une espèce de, je ne peux même pas dire une première version, une espèce de brouillon écrit au galop où j'ai jeté pêle-mêle un peu tout ce que je me rappelais, une espèce d'exploration de ma mémoire proprement dite. Et puis alors j'ai repris cela ensuite, année par année, en m'aidant de ce que je pouvais avoir de documents, j'en ai malheureusement très peu, des journaux dans la mesure où j'en avais, des lettres dans la mesure où j'en ai, et aussi alors des documents objectifs, c'est-à-dire regarder les journaux de l'époque, alors les journaux, je veux dire la presse de l'époque, etc., etc., pour essayer de revivre enfin mon époque. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, que je pense qu'il n'y a pas de nature humaine et que chacun est lié à tout ce qui l'entoure, si je veux parler de moi, je suis obligée de parler de la France entre 1929 et 1939, par exemple.
C'est dans ce sens-là que vous entendez l'engagement, d'ailleurs. C'est que nécessairement, tout est conditionné, chaque être humain est conditionné par tout ce qui l'entoure. Si vous voulez, c'est qu'en un certain sens, il est impossible d'écrire sur quoi que ce soit sans qu'au moins à l'horizon se profile tout l'ensemble du monde dans lequel on vit. Alors vous ne croyez pas en l'art pour l'art, évidemment. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient même que ces mots aient un sens. Vous croyez que c'est impossible, d'ailleurs. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. Je pense que tout art a toujours eu un contenu, un sens, a toujours été un appel adressé à d'autres hommes, a toujours été une parole dite à des hommes, a toujours eu des raisons humaines dans celui qui était le créateur et dans ceux qui étaient destinés à recevoir et à entériner sa création. Dans le problème de rédaction de mémoire, on dit souvent que chaque auteur se rend compte, à un certain moment, de la limite de sa sincérité. Est-ce que vous avez été face à face avec une certaine limite de sincérité? Non. Je pense que la sincérité, à vrai dire, est elle-même, la sincérité littéraire, est elle-même un problème littéraire. Et qu'il ne s'agit pas de toute façon de transcrire les choses comme elles vous viennent dans la tête. Il faut essayer d'en restituer la vérité, à la fois, d'ailleurs ce qui est compliqué, telle qu'on l'a vécue et telle qu'on l'a reconstruite aujourd'hui. C'est ça que j'essaie. Si vous voulez, plutôt que le mot de sincérité, je vous dirais que ce qui m'embarrasse, c'est la distance à moi-même. Ce qui m'embarrasse, c'est ce qui m'intéresse. Je veux dire que, par exemple, dans le premier volume des Mémoires, j'ai assez facilement trouvé une certaine distance à mon enfance. J'ai eu beaucoup plus de mal pour trouver une certaine distance avec ma jeunesse. Est-ce que j'allais être complètement d'accord avec elle ou la juger avec une espèce d'ironie détachée? Trop d'ironie, ce n'est pas bien, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que je me moquerais de la jeune fille que j'ai été, même si j'ai été stupide? Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas à prendre de supériorité, c'est pas parce qu'on est plus âgé sur ce qu'on a été quand on était jeune. Trop de complaisance, c'est également ridicule, parce qu'il n'y a pas à penser que tout ce qui vous est venu dans la tête était important et avait de la valeur. Donc il faut trouver une distance, qui soit à la fois de la sympathie et de la, tout de même de la critique. Enfin, j'ai essayé, naturellement, on réussit ou on ne réussit pas, on réussit plus ou moins. Il faut faire un certain choix aussi, j'imagine. Ah, naturellement, parce qu'il ne faut pas mettre un fatras qui ne signifie rien. Il faut donner ce qui est significatif, et de soi, et du monde autour de soi. Est-ce qu'il est possible de rédiger ses mémoires sans tricher un peu? Qu'est-ce que vous voulez dire par tricher? Ce choix, justement. Ah, je ne pense pas que ce choix est une tricherie, forcément. Si on essaie vraiment de restituer la vérité, si je ne raconte pas quel repas j'ai fait le 4 décembre 1931, je ne pense pas que je triche, même s'il se trouve que dans une lettre à des amis, je l'ai raconté. Ce n'est pas une tricherie, parce que ça n'a aucun intérêt pour le lecteur. Ça peut être intéressant, au contraire, de raconter le repas que j'ai fait en mars 1941, parce qu'à ce moment-là, c'était l'occupation et c'était le repas type que faisaient des quantités de Français, ça signifiait quelque chose. C'est ça, plutôt, je trouve, qui doit guider, n'est-ce pas? C'est ce qui est signifiant. Vous m'avez dit tantôt que vous travaillez différemment quand vous écrivez vos mémoires, par exemple, et quand vous rédigez un essai. Oui. Quelle est l'explication de ça? C'est que je pense... D'ailleurs, en vérité, je travaille différemment pour chaque livre. Il n'y a pas de livre que j'ai écrit exactement de la même manière. Et d'une façon générale... Parce que l'idée générale de l'œuvre ne me vient pas de la même façon. Et puis alors ensuite, le fait de la développer, de la voir comme totalité, de la prendre par petits morceaux, se présente tout à fait autrement dans un cas, dans un autre cas. Alors, il n'y a aucune méthode arrêtée. Il n'y a pas de méthode arrêtée. Il y a quand même quelque chose qui m'est, je ne sais pas particulier, mais enfin, en tout cas, qui se retrouve presque toujours pour tous mes écrits, c'est que j'ai besoin d'aller d'un bout à l'autre et puis de recommencer en allant de nouveau d'un bout à l'autre en approfondissant chaque fois. Si vous voulez, je ne ferai pas un premier chapitre définitif avant d'être arrivé à la fin du dernier. Et quand le dernier est fini, je recommence depuis le début, en un sens. Et ça tourne en rond comme ça, enfin, comme beaucoup de peintres peignent, n'est-ce pas? Ils ne font pas d'abord un morceau de la toile, ils font toute une esquisse, et puis ils l'approfondissent, et puis ils la réapprofondissent, puis ils s'arrêtent à un moment parce qu'ils ne peuvent plus rien y ajouter. Alors, c'est votre façon c'est un peu comme ça que je travaille, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet donné, ou une situation donnée, devient un roman au lieu d'une pièce de théâtre, ou une pièce de théâtre au lieu d'un roman? En vrai dire, je n'ai essayé qu'une fois de faire du théâtre, ça n'a réussi pourquoi qu'à moitié. Pourquoi ce moment-là avez-vous... Parce que j'avais envie de m'essayer au théâtre et j'avais trouvé un sujet qui me semblait extrêmement théâtral. Et puis, j'ai fait une pièce qui s'appelait « Les bouches inutiles » et je me suis aperçue que ça répondait beaucoup moins à ma manière de sentir les gens, leurs problèmes, que le roman. Et finalement, je n'ai pas recommencé, pas exactement par principe, parce que quand j'ai voulu raconter des cas, d'écrire des vies, enfin... J'étais bien plus à mon aise pour les raconter sous forme romanesque. Vous attachez beaucoup d'importance au roman.
Oui, comme je trouve qu'un Sartre bon roman, d'ailleurs. ça communique beaucoup. Et quand je lis un bon roman, ou quand j'ai lu de bons romans autrefois, parce que c'est tout de même surtout dans la jeunesse qu'on est vraiment happé, cela m'a donné des expériences plus exaltantes peut-être que n'importe quoi. Qu'est-ce que vous demandez à un roman d'abord? Je lui demande d'abord une certaine vérité, ce qui ne veut pas dire une exactitude réaliste, mais il faut qu'il me communique quelque chose qui soit bien particulier, qui soit arrivé à certaines personnes et en même temps qui soit assez général pour me toucher. C'est ça d'abord que je lui demande. Alors qu'il me donne cette vérité à travers telle ou telle espèce d'anecdote, de technique, de style, ça m'est égal du moment qu'il me la donne. Est-ce que vous trouvez que certains jeunes écrivains du nouveau roman, par exemple, comme Grier, Butor, Simon et d'autres, est-ce que vous trouvez qu'ils attachent trop d'importance au côté technique? Je trouve qu'il est intéressant de faire des recherches techniques parce que la technique est un instrument et qu'on peut arriver à dire plus vite, mieux des choses quand on a un très bon instrument entre ses mains. Je pense qu'en effet, si on se bute sur l'instrument en tant que tel, comme fait un peu trop Robe Grier, beaucoup moins Butor, on risque à ce moment-là de ne rien raconter de très intéressant. Ou alors le contenu vous échappe malgré vous. Par exemple, La jalousie de Robe Grier, qui est son moins bon livre à mon avis, je préfère les autres, je trouve qu'il ne s'est pas rendu compte que. En croyant décrire simplement des plans, des surfaces, des mouvements et des objets, et faire ce qu'il appelle de l'objectal, que, en vérité, il donnait une conception absolument bourgeoise, très marquée, de ce que c'est que l'amour possessif, justement, et la jalousie chez un propriétaire terrien, un colon même d'ailleurs, d'aujourd'hui. Vous avez aussi fait des grands reportages, entre autres votre livre sur la Chine et celui sur les États-Unis. Je Oui. ne vous demanderai pas évidemment de comparer les États-Unis à la Chine. Donc, c'est Ce vraiment impossible. serait tout à fait une chose Étant impossible. donné leur histoire, leur départ, enfin les circonstances. La condition de la femme en Chine. La condition de la femme en Chine, elle a énormément évolué, mais vous savez, elles reviennent de très très loin, les Chinoises, puisqu'on voit encore dans Pékin des vieilles femmes qui ont des tout petits pieds, puisque une fois que les pieds ont été déformés, ils demeurent ainsi rabougris jusqu'à leur mort. Donc il y a encore des traces de cette coutume abominable qui était vraiment le symbole, en même temps que d'ailleurs la réalisation de l'esclavage féminin en Chine. Alors tout cela a été c'est une bataille qui a été gagnée, les femmes sur des tas de plans sont émancipées, les paysannes ne sont plus du tout maintenant les serves qu'elles étaient autrefois, les femmes votent comme les hommes, les femmes enfin sont légalement tout à fait les égales des hommes. Bien entendu, pratiquement, pas plus d'ailleurs qu'en Occident, elles ne sont vraiment aussi importantes dans aucun domaine. Mais c'est tout de même un des domaines où elles sont à l'avant-garde. Les jeunes étudiantes chinoises, par exemple, sont vraiment, vraiment sans aucun complexe par rapport aux étudiants chinois, qui de leur côté n'ont aucun complexe de masculinité, si je peux dire. Ils ne se sentent absolument pas supérieurs en tant que mâles à leurs camarades femmes. Alors, ils correspondent à un souhait que vous faites dans le deuxième sexe. Oui, d'une certaine façon, oui, certainement. Plus que les Américains. Alors, c'est-à-dire, je ne voudrais pas que vous me fassiez dire ce que je ne dis pas. Dans les couches. De la population les plus vastes, c'est-à-dire chez les paysans, il y a malgré tout encore des quantités de survivance, parce qu'on ne défait pas et on ne refait pas une civilisation en 10 ans. Et je crois que les femmes sont encore malgré tout traitées pas du tout à égalité avec les hommes, pratiquement malgré la loi, parce que vous savez que d'ici qu'une loi se trouve réellement incarnée, il n'y a qu'à voir même nos sociétés à nous, c'est bien différent. Mais au contraire, alors, dans ce qu'on peut appeler l'élite, enfin, chez les jeunes intellectuels, il y a vraiment une égalité profonde qui est réalisée, ça certainement. Et une amitié des deux sexes. Et aux États-Unis, quelle a été la chose qui vous a le plus frappé quand vous êtes arrivé là-bas? De ce point de vue-là, du point de vue de la condition des Oui. femmes, c'est qu'elles étaient infiniment moins émancipées que je ne pensais. C'est que je trouve qu'en réalité, leur émancipation est une chose extrêmement extérieure. D'ailleurs, ça, j'ai parlé de cela avec plusieurs Américaines libérales et très intelligentes qui sont de mon avis. Il y en a une en particulier que je voyais récemment qui s'appelle Eve Merian, je crois, qui écrit dans La Nation. Et qui me disait qu'il a d'ailleurs écrit des articles très intéressants là-dessus, sur le mythe de la môme, en montrant qu'en vérité, la femme américaine, comme dans tous les pays, eh bien, elle est dépendante de l'homme, dans la mesure où économiquement, c'est l'homme qui a l'argent. Et qu'on a beau dire que c'est la femme qui décide si on ira cette année-là dans la Côte d'Azur ou dans un petit village du Texas où on a des parents, c'est finalement le porte-monnaie de l'homme qui en décide. Et ça, je crois qu'elle a parfaitement raison. Et c'est tout à fait ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai vu les Américaines. Et pour le reste, pour ce qui est de se faire une situation, de vouloir arriver par soi, je trouve qu'il n'y a plus d'ambition valable chez les jeunes européennes, en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays du Nord aussi, que je n'en ai rencontré chez les Américaines, pour qui vraiment l'idée était d'avant tout d'attraper un mari. Est-ce que vous croyez que la paix est possible dans l'état actuel du monde? Ben, peut-être, dans la mesure où la guerre devient impossible.
C'est le seul espoir que j'ai. C'est que d'ailleurs beaucoup de gens partagent. La guerre devient tellement impossible et signifierait tel ravage, et tout le monde le sait tellement, que peut-être qu'enfin, la paix va régner, avec des petites guerres locales, peut-être ici ou là, mais alors des petites guerres très très localisées, où on ne pourra pas employer les grandes armes destructives. Madame de Souhaitons-le. Beauvoir, c'est sur ce souhait que je vous remercie.